Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le troisième épisode du deuxième conte des Mille et une nuits. On a vu que Ghanem a trouvé une belle femme dans le coffre qui appartient au palais et c'est une amante du calife Haroun al-Rachid. Allons voir ce qui va se passer. Il ne put prononcer ces paroles sans répandre quelques larmes. La dame en fut touchée. Bien loin de se plaindre de la déclaration qu'elle venait d'entendre, elle en sentit une joie secrète, car son cœur commençait à se laisser surprendre. Elle dissimula toutefois, et comme si elle n'eût pas fait attention au discours de Ghanem, « Je me serais bien gardée, lui répondit-elle. Je vous montrerai mon voile si j'eus cru qu'il dût vous causer tant de déplaisir. Et je ne vois pas que les choses que j'ai à vous dire doivent rendre votre sort aussi déplorable que vous l'imaginez. Vous saurez donc, poursuivit-elle, pour vous apprendre mon histoire, que je me nomme Tourmente. Non, qui me fut donné au moment de ma naissance à cause que l'on jugea que ma vue causerait un jour bien des maux. Il ne vous doit pas être inconnu, puisqu'il n'y a personne dans Bagdad qui ne sache que le calife Haroun al-Rachid, mon souverain maître et le vôtre, a une favorite qui s'appelle ainsi. On m'amena dans son palais dès mes plus tendres années. Et j'ai été élevée avec tout le soin que l'on a coutume d'avoir des personnes de mon sexe destinées à y demeurer. Je ne réussis pas mal dans tout ce qu'on m'a appris, la peine de m'enseigner. Et cela, joint à quelques traits de beauté, m'attira l'amitié du calife, qui me donna un appartement particulier auprès du sien. Ce prince n'en demeura pas à cette distinction. Il nomma 20 femmes pour me servir avec autant d'eunuques, et depuis ce temps-là, il m'a fait des présents si considérables que je me suis vue plus riche qu'aucune reine qu'il y ait au monde. Vous jugez bien par là que Zubeïda, femme et parente du calife, n'a pu voir mon bonheur sans en être jalouse. Quoique Haroun et pour elle, toutes les considérations imaginables. Elle a cherché toutes les occasions possibles de me perdre. Jusqu'à présent, je m'étais assez bien garantie de ces pièges. Mais enfin, j'ai succombé au dernier effort de sa jalousie. Et sans vous, je serais à l'heure qu'il est dans l'attente d'une mort inévitable. Je ne doute pas qu'elle n'ait corrompu une de mes esclaves qui me présenta hier au soir dans de la limonade une drogue qui cause un assoupissement si grand qu'il est aisé de disposer de ceux à qui l'on en fait prendre, et cet assoupissement est tel que pendant 7 ou 8 heures, rien n'est capable de le dissiper. J'ai d'autant de sujets de faire de ce jugement que j'ai le sommeil naturellement très léger et que je m'éveille au moindre bruit. Zubeïda, pour exécuter son mauvais dessein, a pris le temps de l'absence du calife qui, depuis peu de jours, est allé se mettre à la tête de ses troupes pour punir l'audace de quelques rois, ses voisins, qui se sont ligués pour lui faire la guerre. Sans cette conjoncture, ma rivale, toute furieuse qu'elle est, n'aurait osé rien entreprendre contre ma vie. Je ne sais ce qu'elle fera pour dérober au calife la connaissance de cette action, mais vous voyez que j'ai un très grand intérêt que vous me gardiez le secret. Il y va de ma vie, et je ne serai pas en sûreté chez vous tant que le calife sera hors de Bagdad. Vous êtes intéressé vous-même à tenir mon aventure secrète, car si Zubeïda apprenait l'obligation que je vous ai, elle vous punirait vous-même de m'avoir conservé.
Au retour du calife, j'aurai moins de mesures à garder. Je trouverai moyen de l'instruire de tout ce qui s'est passé. Et je suis persuadée qu'il sera plus empressé que moi-même à reconnaître un service qui me rend à son amour. Aussitôt que la belle favorite d'Haroun al-Rachid eut cessé de parler, Ghanem prit la parole. Madame, lui dit-il, je vous rends mille grâces de m'avoir donné l'éclaircissement que j'ai pris la liberté de vous demander, et je vous supplie de croire que vous êtes ici en sûreté. Les sentiments que vous m'avez inspirés pour répondre de ma discrétion. Pour celle de mes esclaves, j'avoue qu'il faut s'en défier. Ils pourraient manquer à la fidélité qu'ils me doivent s'ils savaient par quel hasard et dans quel lieu j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. Mais c'est ce qu'il leur est impossible de deviner. J'oserais même vous assurer qu'ils n'auront point la moindre curiosité de s'en informer. Il est si naturel aux jeunes gens de chercher de belles esclaves qu'ils ne seront nullement surpris de vous voir ici. Dans l'opinion, ils auront que vous en êtes une et que je vous ai achetée. Ils croiront encore que j'ai eu mes raisons pour vous amener chez moi de la manière qu'ils l'ont vu. Ayez donc l'esprit en repos là-dessus et soyez sûr que vous serez servi avec tout le respect qui est dû à la favorite d'un monarque aussi grand que le nôtre. Mais quelle que soit la grandeur qui l'environne, permettez-moi de vous déclarer, madame, que rien ne sera capable de me faire révoquer le don que je vous ai fait de mon cœur. Je sais bien que je n'oublierai jamais que ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. Mais je vous aimais avant que vous m'eussiez appris que votre foi était engagée au calife. Il ne dépend pas de moi de vaincre une passion qui, quoique encore naissante, a toute la force d'un amour fortifié par une parfaite correspondance. Je souhaite que votre auguste et trop heureux amant vous venge de la malignité de Zubeïda en vous rappelant auprès de lui. Et quand vous vous verrez rendu à vos souhaits, que vous vous souveniez de l'infortuné Ghanem, qui n'est pas moins votre conquête que le calife. Tout puissant qu'il est, ce prince, si vous n'êtes sensible qu'à la tendresse, je me flatte qu'il ne m'effacera point de votre souvenir. Il ne peut vous aimer avec plus d'ardeur que je vous aime. Et je ne cesserai point de brûler pour vous, en quelque lieu du monde que j'aille expirer après vous avoir perdu. Tourmente s'aperçut que Ghanem était pénétrée de la plus vive douleur. Elle en fut attendrie, mais voyant l'embarras où elle allait se jeter en continuant la conversation sur cette matière, qui pouvait insensiblement la conduire à faire paraître le penchant qu'elle se sentait pour lui. Je vois bien, lui dit-elle, que ce discours vous fait trop de peine. Laissons-le et parlons de l'obligation infinie que je vous ai. Je ne puis assez vous exprimer ma joie quand je songe que sans votre secours, je serais privée de la lumière du jour. Heureusement, pour l'un et l'autre, on frappa à la porte en ce moment. Ghanem se leva pour aller voir ce que ce pouvait être, et il se trouva que c'était un des esclaves pour lui annoncer l'arrivée du traiteur. Ghanem, qui pour plus grande précaution, ne voulait pas que les esclaves entraient dans la chambre où était Tourmente, alla prendre ce que le traiteur avait préparé et servit lui-même à sa belle hôtesse, qui, dans le fond de son âme, était ravi des soins qu'il avait pour elle. Après le repas, Ghanem desservit comme il avait servi, et quand il remit toute chose à la porte de la chambre entre les mains de ses esclaves, Madame, dit-il à Tourmente,
Vous serez peut-être bien aise de reposer présentement. Je vous laisse, et quand vous aurez pris quelque repos, vous me verrez prêt à recevoir vos ordres. En achevant ces paroles, il sortit et alla acheter deux femmes esclaves. Il acheta aussi deux paquets, l'un de linge fin et l'autre de tout ce qui peut composer une toilette digne de la favorite du calife. Il mena chez lui les deux esclaves et les présentant à Tourmente. Madame, lui dit-il, une personne comme vous a besoin de deux filles au moins pour la servir. Trouvez-vous bon que je vous donne celle-ci? Tourmente admira l'attention de Ranem. Seigneur, lui dit-elle, je vois bien que vous n'êtes pas homme à faire les choses à demi. Vous augmentez par vos manières l'obligation que je vous ai, mais j'espère que je ne mourrai pas ingrate et que le ciel me mettra bientôt en état de reconnaître toutes vos actions généreuses. Quand les femmes esclaves se furent retirées dans une chambre voisine où le jeune marchand les envoya, il s'assit sur le sofa où était Tourmente, mais à certaines distances d'elle pour lui marquer plus de respect. Il remit l'entretien sur sa passion et dit des choses très touchantes sur les obstacles invincibles qui lui ôtaient toute espérance. Je n'ose même espérer, disait-il, d'exciter par ma tendresse le moindre mouvement de sensibilité dans un cœur comme le vôtre, destiné au plus puissant prince du monde. Hélas, dans mon malheur, ce serait une consolation pour moi si je pouvais me flatter que vous m'avez pu voir avec indifférence l'excès de mon amour. Seigneur, lui répondit Tourmente. Ah, madame, interrompit Ranem à ce mot de seigneur, c'est pour la seconde fois que vous me faites l'honneur de me traiter de seigneur. La présence des femmes esclaves m'a empêché la première fois de vous dire ce que j'en pensais. Au nom de Dieu, madame, ne me donnez point ce titre d'honneur. Il ne me convient pas. Traitez-moi de grâce comme votre esclave. Je le suis et je ne cesserai jamais de l'être. Non, non, interrompit Tourmente à son tour. Je me garderai bien de traiter ainsi un homme à qui je dois la vie. Je serais une ingrate si je disais ou si je faisais quelque chose qui ne vous convient pas. Laissez-moi donc suivre les mouvements de ma reconnaissance et n'exigez pas pour prix de vos bienfaits que j'en use malhonnêtement avec vous. C'est ce que je ne ferai jamais. Je suis trop touchée de votre conduite respectueuse pour en abuser. Et je vous avouerai que je ne vois point d'un œil indifférent tous les soins que vous prenez. Je ne vous en puis dire davantage. Vous savez les raisons qui me condamnent au silence. Ranem fut enchanté de cette déclaration. Il en pleura de joie et ne pouvant trouver de terme assez fort à son gré pour remercier Tourmente, il se contenta de lui dire que si elle savait bien ce qu'elle devait au calife, il n'ignorait pas de son côté que ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. C'est comme ça qu'il terminait son épisode chaque jour pour assurer sa survie le lendemain. Bonne nuit, faites de bons rêves, et si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt.